Coucou à tous, donc on est sur l'une des aires du Chantecoq, donc au lac de Der. Donc là il y a 65 places, hein, donc c'est pas les places qui manquent, hein, c'est bon, je vais pas dire que c'est désert, mais il y a une dizaine de camping-cars sur 65 places. Donc là aujourd'hui c'est gratuit, les barrières sont levées en fait là-bas. On voit parce qu'il y a un dysfonctionnement sur la borne. Donc quand il y a un dysfonctionnement sur la borne, bon, il y a bien d'autres endroits, hein, il y a 400 endroits pour faire les pleins d'eau. Et quand il y a un dysfonctionnement, ils lèvent les barrières parce qu'ils font gratuit. Voilà. Bon, en général, en hiver, on est venu pas mal de fois en hiver. Et en hiver, c'est souvent gratuit, les barrières sont levées. Enfin, à chaque fois qu'on y est passé sur les vacances d'octobre, novembre, c'était comme ça. Là-bas, elles sont refermées, on a vu sur l'autre aire, juste avant le casino. Donc ce qui est bien ici, c'est que, bon, on a à proximité, comme tout autour du lac, hein, deux pistes cyclables, mais il y a surtout quelques petits commerces pour aller boire un verre, acheter des glaces aux enfants. Pour ceux qui aiment le casino, il est pas très loin. Et puis il y a quelques activités, des jeux d'enfants, il y a le port de plaisance qui est juste derrière. Donc c'est vrai que c'est super sympa. Donc là on va préparer maintenant à manger puisqu'on roule le matin de façon à pouvoir avoir le temps de manger et de prendre l'apéro. Comme ça je ne roule plus, il n'y a pas de souci. J'aime pas rouler même avec un verre de cidre, je supporte pas, j'ai pas mes entières capacités et pour moi c'est pas sécurisant. Même si je n'ai pas le taux, je n'aime pas rouler dès que je bois quelque chose. Allez, des bisous, à tout à l'heure. Bon, je sais. Et
Et voilà le lac du Der. Je vais vous montrer le petit coq là-bas. On est stationné derrière les arbres là-bas. Donc il y a des kilomètres et des kilomètres de pistes cyclables. Donc là on est au port. Parce qu'il y a un port quand la montée des eaux le permet, parce que là ils ne peuvent pas sortir, c'est asséché. Donc voilà. Cocorico. Qu'est-ce que tu fais sur ta moto toi? Hop là. On va mettre le sac dans le côté qui se balade. Alors. Hop. Alors il y a la base d'aviation 113, hein, pas loin, qui comporte un certain nombre de pilotes de Rafale. On en a vu passer un ou deux escadrons déjà. Ils volent les uns à côté des autres, c'est assez spectaculaire. Joël qui se dirige vers Et on peut sortir quand même. Bonjour. Bonjour. Ouais. On les entend, les rafales. Est-ce qu'on va les voir? Pas trop où ils sont. Donc il y a plein d'oiseaux là-bas, on les voit. L'eau a vraiment baissé. D'habitude il y a de l'eau jusqu'aux cailloux là. Donc là vous avez une autre aire, hein, qui est de l'autre côté, plus proche de la digue. Mais bon, l'autre est à 500 mètres. Hein. Et bon, elle est sympathique aussi celle-ci, hein, non branchée. Et on stationne sur l'herbe. On y était déjà venu. Et puis vous en avez quantité d'autres, hein, tout autour du lac. Donc c'est vraiment sympathique. Et là où on est, bon là on est en trottinette. Parce qu'hier on a fait vraiment beaucoup de vélo. Et aujourd'hui, bon, on a pris un peu les trottinettes. Mais bon, tout est circulable, hein, à pied, ou comme on veut. C'est vraiment sympathique et il fait très beau. Pas très chaud, mais il fait vraiment très beau. Et un coucou. Coucou tout le monde. Ouais, c'est vraiment joli. Alors là-bas, tout au bout, vous avez tout blanc, là, les petits points blancs que vous voyez, ça paraît incroyable, mais ce sont des cygnes. Vraiment beaucoup de cygnes. J'en ai jamais vu autant. Il y a, je sais pas, une centaine de cygnes. Bah non, mais il y en a vraiment beaucoup, quoi. On avait tout à l'heure, ils sont par espèce. Il y avait des choses noires là-bas.
Et il y avait tout à l'heure des oies, plein d'oies grises. Et ils sont par espèce, c'est des bancs. Et là, ce que vous entendez, c'est mes cervicales. Et là, ce sont des bancs. Mais je trouve qu'il y a moins d'eau que la dernière fois. Il y a moins d'eau. Oui, l'eau, elle venait un peu plus sur là où il y a du sable. Marée. Ouais, bah je sais pas, non, il n'y a pas de marée, mais je pense qu'il y a moins d'eau. Je sais pas où ça s'assèche. La sécheresse. Ouais, la sécheresse, ouais, qui a fait ça. Donc c'est la réserve d'avifaune du lac de Der Chantecoq. Ouais. Donc c'est vraiment une étape sympathique à faire, c'est reposant, c'est calme. Bon, la nuit, il n'y a personne en dehors que des camping-cars. Donc c'est vraiment l'idéal pour se promener, sortir si vous avez des animaux, des chiens. Et on peut faire beaucoup de vélo. Voilà, je pense que les cygnes, vous allez mieux les voir ici. Il y en avait un groupe là-bas, sur la gauche. Encore un autre sur la gauche. Un en face. Et là, il y en a un énorme, là, ici. Ça paraît fou, quand même. Parce qu'on en voit toujours dans des parcs, en général. Il y en a deux, trois. Et là, il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment très beau. Et là, on a des rafales qui sont en train de s'entraîner. Là, on en a deux là-haut. Ce matin, quand on est arrivé sur la route, ils volaient l'un à côté de l'autre. C'est à se demander comment ils font pour pas se rentrer dedans. Et là, ils sont en poursuite. Il y a Joël qui s'est mis... Oups, sans la béquille, ce serait mieux. Les gens observent avec des grands téléobjectifs. Ici, c'est vraiment une zone extrêmement nature. Donc le tour du lac, en fait... Doing crazy, dreaming.
c'est pas un, c'est trois villages qui ont été engloutis sous les eaux du lac de Der en 1974. Voilà. On a toujours. Ils ont gardé que l'église d'un des villages. Non, c'est pas grave. Ah oui, très bien. Très très bien. Ah si. Hop là. Donc là, ça fait un petit peu bizarre de rouler à vélo là-dessus. Donc là-bas, il y a une église en fait, parce que quand ils ont asséché, parce que c'est un lac créé de toutes pièces. Donc le village a été enlevé, ils ont laissé l'église. Donc il y a des campings hein, tout autour du lac. Donc là-bas, il y a encore plein d'oiseaux. On a de la chance, ça fait 2 semaines qu'on est sur la route là. Et tous les jours, on a eu un temps magnifique. Plus ou moins chaud, on a eu jusqu'à 26 degrés, 25, 26. Bon, aujourd'hui, il fait 16. Mais il pleut la nuit et le jour, il fait beau.
je vais aller la visiter, mais avec l'autre caméra, parce que celle-ci, elle n'est pas faite pour la nuit. Ah, donc Joël va regarder. Donc on voit toujours des bâtisses hein, qui étaient là. Donc je prends l'autre caméra. Tu les as mis un peu à l'envers. Oui, ça c'est un peu la pub. Surveillance de la maison. C'est beaucoup mieux comme ça. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. T'es bête. Donc voilà. Donc là, on est en train de faire la boucle de 40 km. On en a fait sûrement presque la moitié. On a traversé une forêt, il faisait super froid. J'ai remis la capuche. Donc voilà, on va repartir. Super sympa. Donc là, ça fait déjà, je sais pas, peut-être une trentaine de kilomètres qu'on roule. Je sais pas si vous allez entendre le micro, il est sous mon blouson. Et bon, ce coucher de soleil avec les oiseaux. On entend les autres là-haut qui arrivent, juste à ma droite. Voilà pour le lac d'Hiver. Le soleil commence à tomber.